Bonjour à tous, c'est Séverine et Claudia. On va travailler en 30-15, on fera 4 tours. Tout est inclus dans cet entraînement, votre échauffement et des petits conseils de retour au calme. Prenez votre bouteille d'eau et c'est parti. Vous pouvez bien sûr vous échauffer d'une autre manière. Là ici, on va vous proposer de faire chaque exercice qu'on va détailler en échauffement. On commence d'abord un petit peu par échauffer les chevilles, les genoux. Ensuite, donc, on va passer au gainage. Donc, on va aller de manière évolutive. Tu es prête? Oui. Ok. On va passer au gainage. Claudia vous montrera à chaque fois une version un petit peu plus facile. On se met à genoux sur le tapis. Voilà. Okay. Et on va avancer le bassin. Voilà, tu places bien ton bassin, on se repousse dans les mains. Alors là, tu as les mains fort en avant par rapport à tes épaules. Tu peux, mais ce sera plus difficile. Voilà. Donc, on fait attention à ce que le ventre soit bien rentré. Ok. Et notre exercice, ce sera gainage et lever la main. Alors, tu vas raccrocher un petit peu tes mains l'une de l'autre. Oui. On repousse dans la main droite, à l'expire. Donc, tu rentres ton ventre et tu tends main gauche. Ah, j'ai de l'herbe. On repose. Et puis, pareil de l'autre côté. Tu inspires quand tu es en bas. Tu souffles, tu tends. Voilà. Chaque fois que tu souffles, ton ventre rentre. Ok. Ça va, ça? Pas de questions? Non, ça va. Voilà. Tu fais bien attention à garder tes épaules bien en place. Donc, pas laisser monter tes épaules vers les oreilles. Ok. C'est bon? Oui. Okay, on revient debout. Donc, tu vois, pour commencer, pour l'échauffement, c'est bien aussi faire un peu de gainage parce que ça va être important de vous garder tout le temps bien votre ventre rentré pendant les exercices. Alors, le deuxième exercice, c'est la fente genou. Donc, toi, tu montres sans impact et moi, je vous montre un peu plus dynamique. Donc, tu peux sur ton tapis sur, si tu veux ou pas, c'est comme tu veux. C'est on va aller mettre le pied droit loin derrière. Ok, puis on monte le genou. Hop, en gardant les épaules bien droites. Oui, là, tu perds l'équilibre parce qu'on oui. est là. T'oublie pas ton ventre qui rentre à chaque fois. Voilà. Ok, moi, je commence à accélérer aussi. Hop, et avec le petit saut. C'est un petit saut. Ok, c'est pas non plus décoller de 10 mètres. Ça va, ça? Oui. Ok, ça va? Pas de questions? Non. D'accord. L'exercice suivant, c'est avec les élastiques. C'est l'oiseau. L'apprenti mouette, comme j'aime l'appeler. Voilà, l'apprenti mouette. Aïe. Alors, notre élastique est assez dur. Donc, plusieurs possibilités pour votre élastique. Soit de vous écarter les jambes plus fort si votre élastique est assez mou, soit de vous garder les jambes plus rapprochées si l'élastique est un petit peu difficile. Les genoux légèrement fléchis, on pousse les fesses en arrière et on fait la mouette. D'accord? Souffle et monte. Inspire, bien. Ici, on est à l'échauffement, donc on ne va pas trop vite. Pendant l'intervalle, on va essayer d'aller plus vite. Ok, je vous montre de profil. Donc, pas laisser les fesses trop en arrière. Claudia, ça va? Oui, c'est dur, mais ça va. Non. Tu te grilles les bras? Ah oui, c'est dur. Ok, suivant, fente gauche. Voilà, donc ton pied gauche soit derrière. N'oublie pas le petit ventre. Exact. Mmh. Ok, on monte. Hop, puis derrière. Voilà, loin derrière. Tu vas essayer chaque fois d'aller plus loin et bien déporter ton poids. Ah. Tu vois, si tu gardes le poids trop en avant, ça ne fait pas top pour ton genou. Donc tu vas vraiment essayer. Voilà, pas trop non plus. Voilà, le genou reste bien au-dessus de ta cheville. Ok, avec le petit saut. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Bonne? Oui. Pas de question? Non. Le suivant, latéral. C'est squat latéral. Ou fente, comme on veut. Donc, je vais dégager un pied. Ouais. Hop, on descend. Et on revient. L'autre pied. Descend, revient. Ok, si je veux l'accélérer, pareil, je peux faire un petit rebond. Hop. Va bien? Oui. C'est au squattage. À chaque fois, ton pied va bien dans la direction de ton genou. Okay. Et le dernier, talon-fesse. Suis attention à ton ventre, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Tout va bien? Oui. Tu grandis bien. Ça va? Oui. Oui, attends, on rapproche. Okay.
on va se cogner. Ok, c'est bon? Oui. Pas de questions? Non. On est parti? Vous aussi, j'espère que c'est bon. Donc, votre bouteille près de vous. Moi, déjà, un petit coup. Ah, j'ai des petites fourmis. Ok, donc j'ai préparé mon timer. Ok, j'ai mon timer. Je le mets en marche. Hop, dans 10 secondes, on démarre. Je vous mettrai de toute façon le bip, mais je vais essayer que vous l'entendiez. Le premier, c'est le gainage. On se met en place? Oui. Hop, tu les vois là. Allez, on garde le ventre bien rentré. Voilà, chaque fois que tu souffles, essaie de penser à ton ventre qui rentre. Super, tes épaules restent en place. On a déjà fait la moitié du temps. Hop, 10 secondes. Effectivement. Ok, fente genou. Ok. Droit d'abord. Soit version pas sautée, soit version plus sautée. Et si vous choisissez la version sautée, mais qu'après vous voyez que c'est trop difficile, pas de soucis, vous sautez plus, mais vous essayez pas de vous arrêter. Droit derrière, on monte. Ah, je tombe beaucoup. Tu perds l'équilibre? Oui. Essaye un peu d'accélérer un petit peu. Parfois on perd l'équilibre parce qu'on est un peu trop lent. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça marche. Et je suis professionnelle. Professionnelle. N'oublie pas ton ventre. Si malgré ça, donc en accélérant, vous perdez quand même l'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, par exemple. Ok, oiseau. Ok. J'appelle la mouette. Ok, donc ne te tue pas au départ, faut que tu tiennes tout ton timing. Oui. Hop, c'est parti. Par contre, tu peux aller un petit peu plus vite. Quitte à ce que tu mettes juste tout en tension, tu peux resserrer un peu plus tes pieds, c'est trop dur. Voilà, tes épaules restent en place. 4 secondes. Ça va? Oui. Allez, 10 secondes. Allez, vous nous accompagnez. On lâche pas, on fait ensemble. Ok, fente gauche. Ah, c'est coincé, voilà. C'est pas l'air qui va te faire tomber. Hein. Non, c'est une petite brindille. Donc, pied gauche derrière. C'est parti. N'oublie pas ton ventre. C'est vrai que je l'oublie. Du coup, c'est moi qui perds l'équilibre. Ah. Allez, chaque fois, pouch, tu sautes, le ventre rentre. Sauf que moi, je ne saute pas. Ouais, tu montes. Allez, plus que 10 secondes. Allez, vas-y, go. On est bon. La terre. Ça va? Oui. Tu mets quoi? Droit? Pareil. Je fiche. Presque fou. Ah, 5 secondes, Claudia. Par contre, j'ai brossé dingue. Oui, j'ai vu. T'as vu? C'était pas fait exprès. Talon fesse. Ça va? Oui. Courons, mon ami. J'ai eu un rire bizarre. Ouh, bon, rapprochement. En fait, t'es en trottine là. Oui, c'est vrai. On pourra accélérer un petit peu là. 10 secondes. Premier tour fini. Une minute de pause. Donc, on essaie de récupérer un peu son souffle. On boit.
tiens pas froid, hein? Non, j'ai chaud, moi. Ça avait déjà chaud à la base. Quand il fait 28 degrés. Mon Dieu. Ok, on reprend dans 30 secondes. Premier gainage. Ah oui, ça va, j'avais oublié. Oui, ça va. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les exercices que vous préférez, ceux que vous n'aimez pas, les petits soucis peut-être que vous rencontrez. Puis vous pouvez nous en parler sur Facebook aussi. On prend 10 secondes. Je bois, il fera bruit de bouillotte. Ah oui, moi aussi j'ai ça. Sur ton tapis? Oui. Trop dur, c'est parce que tu as avancé fort les mains, donc tu augmentes le bras de levier. Donc si c'est trop difficile, ramène bien les mains en dessous de tes épaules. Oh non, ça va comme ça. Tu gères? Oui, je gère. Peu de la fête. Eh oui, hein. Hop. Prends le genou. Pied droit derrière. Tu es prête? Oui. Entre Claudia, oui. Chaque fois, voilà, là, là, tu montes, tu rentres le ventre, tes épaules restent bien droites. 15 secondes. Ouh, je tombe. C'est bien, c'est mieux ton équilibre. 5 secondes. Oh, t'as perdu ton petit truc. Ah, ouh, ça par contre, te le remettre rapide, ça va être un peu... Hop, vous allez à du direct, hein. 5 secondes, oiseau. Ah, pas grave. Il est coincé, attends, je... Ah, l'oiseau est coincé dans les nids. Je répète, l'oiseau est coincé dans les nids. Voilà, bien ta position. Presque fini. 5 secondes. Par contre, mon petit truc là, il n'arrête pas de ressembler à toi. Même coincé. Oui, c'était décoincé. Ok, 3 secondes. Allez, gauche. C'est parti. Loin derrière, hein. Loin derrière, tu montes. Voilà, grand mouvement. 15 secondes. Mes élastiques. Eh oui. Pas en face. Ok. Voilà. À 4 tours. Hein. C'est quand même un peu le principe. On a un nouvel adepte. T'as du sport avec nous. Ok.
Je venais carrément sur toi. Ouais. Tu devrais mettre des élastiques plus près de nous. Ouais. Hop. Ton micro. Encore ? Je parle tout le temps, ça facilite pas le truc. Quoi. On se met déjà, gainage. Je vais commencer mes petits bruits sexy. C'est-à-dire ah, ah oui, c'est vrai, c'est très sexy ça. Mais il fait chaud et j'ai chaud donc. On est parti. Ah, ton dos. On passe un tout petit peu ton bassin. Voilà. Vérifie bien que tu rentres le ventre à chaque fois. Mon Dieu. Prête ? Oui. Rapproche-toi un petit coup. Comme ça, tu auras déjà les élastiques près de toi tantôt. Okay. Droit derrière. C'est parti. Allez, jambes. Oh, ouais, oui. Plus loin derrière. Tu gardes beaucoup de poids sur la jambe devant là. Vraiment, chaque fois que tu as du poids qui transfère derrière. Voilà, bien. Ouh. C'est plus dur, évidemment. Ok, mouette. Ok. Notre public s'agrandit. Mais comme tout le temps, c'est vrai. Cassez-vous. Ah. Je suis sûre que vous venir avec nous aussi. Ouh, trop mignon. En gauche. Gauche derrière. C'est parti. Voilà, c'est ça. Puis déporte du poids derrière. Hop, ton ventre rentre, tes épaules restent en place. Oula. 15 secondes. Pourquoi tu ris? Ça me fait rire. Moi je recule de plus en plus. J'aime bien en fait. Tiens. Hein. Latéral. Ok. Je commence par la droite. Je vais voir. Je pense que je vais cacher. J'ai décidé que non. La coordination et moi sera trop bien. Ouais, c'est sûr. Faire un petit coup de fesse. Allez, 10 secondes. Pas dans les fesses. Ok. D'ailleurs, ma culotte me rentre dans les fesses. Petite anecdote. Et un peu si toi aussi ta culotte te rend dans les fesses. Exactement.
C'est je souffle. Allez, sac. Allez, arrache l'herbe. On va avoir un vieux trou là où on était. Ouh. Vite de repos. Est-ce qu'il tient ton micro? Non, c'est rien. Je ne vois pas. Désolée, je vous entends chaque fois. Tu veux prendre plus? Non, je sais. Je ne veux pas. On dirait que t'as le torse poilu. Non, c'est viril. Ça, tu récupères? Ah oui, moi, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de souci, c'est que tu peux faire plus difficile, Claudia. C'est le principe de la barbare, c'est que là c'est notre dernier tour. C'est qu'à la fin de celui-là, tu es au bout de ta vie. Donc si tu es. C'est-à-dire tu peux donner plus. Tu peux danser, on va aller. Oh. Si tu veux. Hé, hey, Guénard. Ah oui, j'avais oublié. C'est la faute, tu m'as déconcentré. Oui, c'est pour ça que tu fais la danse. Attends, dernier tour. On se donne à fond, on va jusqu'au bout. Je pense qu'il faut remettre mon micro encore. Je suis pas sûre. Hein. Non. Oh, ton t-shirt. Là, il faut rentrer. Ça va quand même. Ça va, ça va. On va juste un peu plus fort. Gauche. En plus, je fais le droit, un petit peu, si. Ah, j'attendrai pas faire ça. Aïe. Oui, je vole. Pour m'aider. Mieux comme ça, peut-être. T'as des styles. Quoi? T'as des styles. C'est vrai. C'est ça la différence dès qu'on met le petit saut. Ah oui, mon Dieu. Pour la cuisse, c'est tout à fait différent. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce que ce truc, Berker? Ah merde, j'ai volé. La feuille aussi vole. Ah, le tapis. Pour le dernier, je fais fort. Attention, hein. Tu te donnes à fond. C'est vrai. Allez, bon, allez, on va comme ça. Pourquoi tu ris? Gauche. Bon. Claudia, il y aura des herbes, il y aura des épines, il y aura... Oui, mais bon. Tant que je peux les enlever, je les enlève. Gauche. T'as déjà fait le gauche avant, maman? Non. Si. Je m'en rends. Mince. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je te l'ai dit. Non. Bon, bah, je sais plus. T'as fait des gauches juste avant, je sais pas si c'est celle-là que t'avais fait, mais... Oh. Bon, bénéfice du tout, tu recharges. C'est dur avec le petit saut, là. Oui, c'est plus dur. Latéral. Ok. Là aussi, tu veux faire le petit saut. Hein. Touk, touk. Tu changes chaque fois. Voilà. Je fais mille limites de grand écart. Allez, 10 secondes. Allez, un peu plus vite. Oula. Là, encore évidemment avec celui-là. Petite culotte. Ça m'empêche.
ça va. Fini. On a fait 20 minutes d'entraînement à peu près. 18 minutes. Ouais, plus l'échauffement. On récupère un petit coup. On fait le retour au calme. Ok. T'as senti plus quoi? Mes cuisses. Quand il fallait faire le petit saut en fente. Et mes bras quand il fallait faire la mouette. Okay. C'est la mouette le plus dur pour moi. Ok, donc ce qu'on pourrait faire ici comme retour au calme, c'est par exemple aller marcher. Le retour au calme actif comme ça, ben c'est bon pour essayer de diffuser un peu justement les tensions. Éviter d'avoir trop de courbatures maintenant. Si vous avez bossé plus que d'habitude, des courbatures, c'est fort probable quand même. Donc ce qu'on peut faire, c'est exactement comme Claudia fait, pardon, c'est frotter. Alors ça a l'air anodin, un peu comme si on savonnait. On frotte. Voilà, partout où vous avez senti. Ah, ça pourrait être les bras aussi. C'est quelque chose que je fais parfois au cours aussi. Je dis on savonne comme si on était très sale. Et progressivement, on frictionne un peu plus. Pour les fascias, etc., c'est intéressant. Par la suite, on peut aussi tapoter. Alors, c'est pas très beautiful parce que ça bouge toujours, évidemment. Mais ça fait du bien. Et ça, si vous avez, oui, ça détend. Et si vous avez des courbatures, même le lendemain, le surlendemain, vous pouvez franchement le refaire et demander à quelqu'un, éventuellement, qu'il vous le fasse. Ça fait vraiment du bien. Veux-tu que je te le fasse? Oui, peut-être demain. Ok, ça va? Oui. Voilà, c'est tout pour notre entraînement d'aujourd'hui. Vous pouvez donc le répéter 3 fois sur la semaine si vous pouvez, ou même 2 fois serait déjà super. Vous avez vu que c'est déjà quand même pas mal difficile. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, une nouvelle semaine pleine d'action. Ciao. Ciao.